Comment laquelle, alors que tu viens là, ma mère, je dis maintenant, ouais, pas. Mais c'est qui ça, je crois pas que c'est Cameroun, tu tiens à vous. C'est ton. Sur mon Facebook. Oui, c'est ta photo de profil, j'ai vu Cameroun. Elle a grandi, hein. Mais de mon bébé, là, tu n'es pas gentil. Mon bébé, tu n'as pas de ma fille. Très belle. Là, on a du Cameroun. C'est ce qui est extraordinaire. Quand tu as ma caméra, tu vends les choses. Ah non, ils n'apparaissent pas sur ça. C'est bon, mais... Bon, vous mettez à côté, vous sortez pas sur toi. Maman, elle ne veut pas que vous sortez. De cet après-midi, nous avons prévu cette tombola afin de... Qui? Il y a un biais qui arrive. Oui, c'est 5 euros, monsieur. Donnez-moi deux. Le biais. Un du début, un de la fin. Moi, je n'ai pas de biais. On m'a jamais demandé ça. Moi, je pose des questions. Non, comme Céline, depuis que je suis venu. Oh, j'ai vu tonton, c'est moi que tu as servi. Je vais pas te laisser, ma chérie. Tu sais, quand tu as un problème avec quelqu'un, que tu es en position. Va chercher Enzo, tu le ramènes ici, s'il te plaît. Quels ont plus la paix. Afin que nous puissions diriger les bénéfices de cette tombola dans notre projet qui est de venir en aide à l'orphelinat de Yakal et à l'école publique de Ngoro. Donc tout de suite, je vais appeler le numéro 202. 202. C'est quoi? Cadeau? Mon ami, il faut lever la voix, comme tu chantes. 108. 108. Ah non, c'est elle, magazine. 108. 108. 108. C'est pas ton toit. Non, c'est vraiment moi. Super. Le numéro 204. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais même pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais. Oh là là. C'est super. Bravo. Bravo. Le numéro 304. 304. Encore. Encore. Non. C'est ça. 110. Le numéro 111. 111. Ouais. 110. Le numéro 110. 110. C'est ça, c'est combien? 110. 110. Le numéro 303. 303. 303. Personne. Moi, comment? Le 303. Voilà ça. Ah ouais. Voilà, il était temps.
Le numéro 209. 209 encore. Voilà. Le numéro 101. Merci. Je vous en prie. Le numéro 102. 102, oui. Voilà. Le numéro 207. Ça, c'est 102. 207. 207. 207. 207 une fois. 207 trois fois. Voilà. L'huissier de justice est là. L'huissier est là. Donne-moi le pendant. 207. Donc, tu mets de côté. Le numéro 100. C'est même ça. C'est quoi les livres? Mais c'est bien pour la lecture, ça. Le numéro 308. 308. Une fois, deux fois, deux fois, trois fois, à juger non vendu. 203. 203. 206. Ils sont partis. 208. 307. 300. 205. 205. 305. Donc ça veut dire qu'il y a un 205. Oui, prenez celui-là. Ça a dû être mal écrit. Merci. Le numéro 302. Encore? C'est à toi, Tata? Oui. Bah, t'as rien gagné, Kizito. Où est ton ticket, Kizito? Non, mais elle a tout fourni les lots qui restent du déchet. Il a rien gagné. Mais c'est fini. Non, mais je vais quand même te donner un lot. Non, il y a un niveau là. Non, mais. Ah, il a avec un niveau. Nous sommes très, très, très contentes parce qu'on parle de la femme bamoise. On est tellement fiers de ce que vous avez apporté dans notre journée aujourd'hui. On va compter sur vous de gré ou de force. Voilà. Parce que c'est une famille. Quand on commence, on ne s'arrête pas. Tout à fait. Et donc, sur ce, la joie est tellement immense. Qu'il nous manque des mots pour poser sur l'acte que vous avez apporté aujourd'hui. Mais la seule chose qui est aussi joviale, tant heureuse que voilà, c'est que le bon Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins, va vous donner au centuple de ce que vous avez apporté aujourd'hui. Amen. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que qu'on marche main dans la main. Main ça dans la bien, main, ma chérie. Ça permet qu'il n'y ait pas de souffrance, ça permet que les poches ne se vident pas, et ça permet d'avancer. Avancer comment? Avancer pour œuvrer pour ces orphelins, ces femmes abandonnées, notre beau village. Voilà, on est là pour ça. Et on a besoin de chacun de vous pour nous apporter des idées, pour nous corriger quand il faut, parce que nous sommes nés pour apprendre. Tant qu'on vit, on apprend. Et donc l'ambamoise est basée là-dessus. On a besoin de chacun de vous. Alors aujourd'hui, notre journée va prendre fin dans quelques minutes. Nous avons reçu de vague en vague en vague et les meilleures personnes. Et nous savons que le meilleur reste à venir. Et donc l'ambamoise ici présente vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Un très bon retour dans les maisons, réciproquement. Et franchement, travaillez dur, dur, dur
pour que l'argent entre. Et que nous puissions faire les choses. Du monde. Ben qu'on monde beaucoup long. D'être que beban, beaucoup long, que ba sing bis. J'en dis na ba semen banderi, nous on prend. Et tu ken de quoi assou. Parce que tu ne veux pas. Il ne faut pas oublier que c'est à nous de construire. Et nous, cette bamoise s'est levée comme cette belle dame dans le logo pour dire ça suffit, debout, l'ombam. Alors merci, merci, merci au nom de toute cette belle créature. Dynamique, puissante, solidaire. Derrière une grande femme, il y a un grand homme. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Tout à fait. Ce que je voulais vous dire, le combat que vous menez aujourd'hui, c'est un combat qui nous est resté à cœur. Si nous, les hommes, nous n'avons pas pu faire, c'est vous, quel que soit votre âge, de jeunes dames, qui le portez aujourd'hui. Ce combat est le nôtre. C'est-à-dire que derrière vous, vous aurez des hommes comme nous. Tout à fait. Nous sommes nombreux. Il s'agit simplement de sensibiliser les uns et les autres, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Parce que la cause de l'ambamoise est une cause bamoise. Ça ne restera pas au féminin, mais sachez que derrière vous, nous sommes là. Yes. Je voulais juste rajouter que... Et par ici, viens. Je voulais rajouter qu'un discours ne restera pas régionaliste. Elle deviendra nationale. Pour le moment. Et elle passera du Mbam au Ndé. Donc la cause, moi, deviendra une cause de... Et pour raconter l'histoire, parce que vous ne connaissez pas l'histoire, mes enfants, ce que je voulais rajouter, c'est que quand vous entendez Ndé, en Bafia, ça s'appelle la limite. Ndé s'appelle la limite. C'est nous qui avons accompagné nos frères Banganté jusqu'à la limite. C'est pour ça qu'il s'appelle Ndé, le département Ndé. Voilà. Donc c'est nos frères. Voilà. Le problème des Mbamois, c'est un problème qui est national. Mais il faut commencer quelque part. Tout à fait. Et commencer quelque part, c'est par le Mbam. Amen. Parce que le Mbam est le plus grand département. Je dis bien en superficie. Et quand je dis en superficie, ça veut dire que nous aussi on peut demander l'indépendance. Hein. Comme la Corse, comme les anglophones, comme tout le monde. Mais nous restons dans le Cameroun. En restant dans le Cameroun, on commence petit pour s'agrandir. Et sachez que la grotte de Ngorlitouba, c'est-à-dire dans les pays Bassa, elle nous appartient aussi. Elle nous appartient aussi. C'est-à-dire que nous avons une relation privilégiée avec les Bassa. C'est pour vous dire que l'ambamoise à laquelle je participe, parce que je suis sorti des entrailles d'une bamoise. Amen. Je suis sorti des entrailles d'une mouko. Et j'ai un père bitan. Ça veut dire que l'arrondissement de Kiki aujourd'hui, que vous connaissez, est formé des moukos, des bitans, des kikis, des guiffés,
ne faut pas l'oublier. Ils ont failli donc, oublier, tonton. Heureusement que tu es là. Non, nous tous, nous avons... Regardez, moi, je bois du Contrex. Hein. C'est pour dire que je suis encore lucide. Tout à fait, tout à fait. Et donc, moi, je dis, au nom de notre Dieu, je bénis cette association. Amen. Amen. En bénissant avec la volonté de Dieu, parce que nous n'avons personne d'autre au-dessus de nous que Dieu. Amen. Amen. Seul Dieu va faire en sorte qu'on prospère et qu'on grandisse, et qu'on pense non seulement au Mbam, mais qu'on continue. Mais pour l'instant, la base est le Mbamois. Et mes chéris, félicitations. Merci. Félicitations parce que je ne savais pas me retrouver aujourd'hui. Ma jeune petite sœur, mon jeune enfant, qui m'a dit « Tonton, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. » Je lui ai dit que « Mais je ne peux pas ne pas venir. » Je n'étais pas à la fête de Gebsen. Moi, j'ai été président quand c'était un feu de bas. C'est-à-dire Essayon. Essayon a continué et est devenu Gebsen. J'étais l'un des présidents qui a fait le premier bal. Que c'était à la cité universitaire de Paris, dans le 14e. Nous avons dansé pour la première fois la danse bafia, celle que vous connaissez avec le rythme ondulant de... Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est une fois de plus, demander la bénédiction de Dieu. Moi, je vous accorde la mienne et Dieu qui est au-dessus de nous tous accordera le reste. Amen. Et vous irez grandissant. Merci. Financièrement, nous serons toujours là. Alléluia. On n'est pas dans le vague, on n'est pas riche, on est modeste, on n'a pas le pouvoir au Cameroun, mais la volonté de Dieu va faire que ce qui a poussé aujourd'hui soit très grandement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Motion de soutien, motion de Calençon. En tant que beau frère de Mbamois et de Mbamois, donc je représente les beaux. Tout à fait. Ta femme est Mbamois. Nous serons toujours avec votre association. Ok? Donc continuez comme ça. Voilà. Merci papy. Mon père doit se lever. Il faut qu'il dise deux mots. Voilà. Zéro virgule un mot. Je suis avec vous de tout cœur. Voilà. Voilà. Parce que, ben moi, parce que Kikien, comme le frère qui vous disait, le bal de Bafia là, les Bamois, c'était la situation des Bamois. Ce n'était pas les Bafia, ni les Ambassa, ni les Ndiki, les Banen, c'était les Bamois d'abord. C'est nous qui avons été à l'origine de cette association. Lui, il était président. C'est moi qui étais le président de l'organisation du bal. Wow. On avait dansé la danse Bafia sur cassette. Cassette à l'époque. Oui, parce qu'il n'y avait pas. Et tout le monde là, débattait, et tout le monde s'y est mis, il n'y avait pas de tam-tam. Je ne suis pas d'accord. Moi, hein? Voilà. Et donc, j'ai tenu à être un témoignage pour vous dire que je suis avec vous. Amen. Il n'y a pas mieux que ça. Merci, tonton. Et bon, ben, on fera les autres mieux. Tu comprends? Amen. Chacun apporte sa petite contribution, quelle qu'elle soit. Elle servira à édifier notre village, notre ville. Voilà, aider ce qu'on peut aider. Voilà. Merci. Parce que j'ai toujours fonctionné avec les Bamileke. Je ne veux pas être méchante, mais parfois qu'ils ne sont pas aussi reconnaissants à la hauteur de ce qu'on leur offre. Aujourd'hui, si je peux apporter du mien, une petite pierre à l'édifice mbamoise qui est ma région natale de père et de mère, c'est avec plaisir que je le fais. Et je le ferai jusqu'à ce que l'Éternel me donne la force de continuer. Je remercie mes soeurs pour cette initiative et je dis que je suis de tout cœur avec elles, que ce soit ainsi aujourd'hui, demain et à jamais par la force de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà.
Tu es contente, ça je suis très heureuse et voilà, nous sommes ravis au-delà de nos espérances. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas à voir, comme la présidente a précisé tout à l'heure, cette vague de personnes, c'est-à-dire qui sont venues nous honorer de leur présence aujourd'hui, cet après-midi. Et ça s'est super bien passé et voilà, nous sommes vraiment, c'était un très bel après-midi et on a des belles personnes qui sont venues nous voir, des personnes avec un cœur et qui ont adopté notre projet noble parce que ce que nous faisons c'est un projet noble, c'est-à-dire nous sommes dans l'humanitaire et dans le social et c'est quelque chose de très noble et je suis très contente aujourd'hui parce que l'Ambamoise prend vraiment, fait son chemin comme on l'avait dit dès le départ, que rien ne nous arrêtera. Et nous sommes dans cette optique de rien ne nous arrêtera et nous allons y arriver. Nous sommes sur cette voie de réussite. Merci. Tonton, attends l'eau là-bas. Comme tout le monde l'a dit, je vais me représenter. Je suis Céline, la chargée de la communication de l'association La Mémoire. Je suis ravie. Le plaisir est immense pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous avoir vu aussi nombreux. Je remercie ma présidente parce que c'est par son biais que cette idée est venue de faire une kermesse à Paris. C'est une très belle initiative, le résultat est là, nous sommes satisfaits des participants et ravis de toutes les personnes qui sont arrivées aussi aujourd'hui. Et nous espérons qu'elles vont continuer à nous soutenir dans cette lancée. Et puis on vous dit à très bientôt et continuez à faire des dons, continuez à faire des dons. Nous attendons vos dons pour continuer à grandir, pour continuer à avancer petit à petit, mais sûrement certainement. Merci. Waouh!